Whatever job you're searching for, you can find it on LinkedIn. First jobs, flexible jobs, work from home on a Friday jobs, advertising jobs, accounting jobs, HR, PR, even ER jobs, 9-to-5 jobs, 5-to-9 jobs. You decide your time jobs, banking jobs, building jobs, get back on your feet jobs, international jobs, local jobs, let me have a lie in jobs, and even voiceover jobs, which is how I ended up recording this ad. Search millions of jobs on LinkedIn and find one meant for you. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre? C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris? Bonjour et bienvenue dans C'est qui la plus forte, le podcast dédié à la bagarre. Aujourd'hui, baston politique, baston de femmes qui ont marqué l'histoire politique et judiciaire récente, puisqu'on va faire s'opposer Eva Joly et Christiane Taubira, rien que ça. J'ai quelqu'un qui a accepté de remplir ce contrat un petit peu fou, de venir faire vivre l'opposition entre ces deux femmes, que bah, autant annoncer la couleur tout de suite qu'on aime bien, sinon ouais. On n'aurait pas pris la peine d'en parler, et c'est Aurélie. Salut Aurélie, comment ça va? Salut Martin, ça va et toi? Bah écoute, ça va, je suis très content d'organiser ce combat qui est un petit peu atypique par rapport à ce qu'on fait d'habitude dans l'émission, et... Ouais. On va être obligé de se mouiller un tout petit peu par moment. Je pense que ça va être difficile de les départager, ces deux parcours vraiment très intéressants avec des personnalités complexes, différentes. Donc c'est intéressant de les opposer, mais je pense que ça va être difficile de les départager. Alors justement, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de souscrire à cette mission? Je trouvais le défi intéressant, surtout Christiane Taubira, c'est une figure qui a un peu marqué l'actualité à un moment où moi je la suivais beaucoup, femme très charismatique, puis Eva Joly, personnage que je connaissais un peu moins, donc voilà, ça m'intéressait d'apprendre à connaître un peu plus ces deux femmes politiques, puis en plus deux femmes d'envergure, c'est toujours... Pour mon côté féministe, c'était bien. Je te remercie d'avoir accepté la mission, parce que c'est un sujet qui me tenait à cœur, et en même temps, très honnêtement, c'est des sujets qui sont pas faciles à couvrir. Et donc ça demandait quand même un certain travail, et je pense que t'as dû te plonger dans pas mal de choses pour préparer cet épisode. Ouais, j'espère que j'ai essayé de noter plus des faits et de pas trop laisser les idées... rentrer en ligne de compte, donc j'espère que ce sera bien, mais on verra, on vous laisse juger. Et qu'est-ce qui t'a amené à penser à cette opposition du coup? Question intéressante. Honnêtement, l'opposition n'a pas beaucoup de sens cette fois-ci. Parfois, on fait des émissions où l'opposition a un sens, comme par exemple quand on fait Blur contre Oasis, on voit pourquoi on le fait. Là, c'est moins une opposition qu'une comparaison qui a pour but surtout de parler de ces deux femmes que je trouve extrêmement intéressantes dans leur parcours, dans leur personnalité, dans ce qu'elles ont accompli et dans les difficultés qu'elles ont dû surmonter pour mener à bien leurs missions respectives. Et je trouve que chacune à leur façon, elles mettent en lumière aussi certaines dimensions intéressantes, parfois un petit peu préoccupantes de notre société politique et publique. Et je trouvais que ça valait le coup de leur dédier, c'est vraiment le mot, un épisode de ce podcast. Ouais, deux femmes courageuses, ça, c'est sûr. Deux femmes courageuses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu te sentirais de rappeler qui est qui? Ouais, je vais m'appuyer sur leur biographie. Moi, c'est déjà deux femmes politiques françaises. Donc je vais commencer par Eva Joly. Elle est née en 1943 à Oslo, en Norvège. Elle vient d'une famille assez rurale, grandit dans un quartier ouvrier. J'ai un petit fun fact. À 18 ans, elle a fini troisième au concours de Miss Norvège. Ah oui. Voilà.
C'est vrai. Après, elle a quitté la Norvège pour la France, où elle a exercé différents métiers, notamment jeune fille au père. Et c'est là qu'elle a rencontré son mari, qui était en fait le fils de la famille dans laquelle elle travaillait. Donc, elle l'a épousé, Pascal Joly. Ils ont eu 2 enfants. Et puis alors ils ont fini par se séparer un peu plus tard, mais bon, voilà. Après, elle a repris des études de droit un peu plus vieille, et puis en 81 elle a réussi le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, et à 38 ans elle devient procureure de la République à Orléans. Et c'est en 90 qu'on va lui confier la fameuse affaire Elf, et on en parlera un peu plus tard. Et en fait, elle est rentrée en politique assez tard, autour de 2007-2008. Elle a commencé par se rapprocher un peu du MoDem, le mouvement de François Bayrou au centre, et après elle a rejoint Europe Écologie Les Verts, et là elle a commencé la carrière qu'on lui connaît plus, députée européenne d'Europe Écologie Les Verts et candidature à la présidentielle en 2012. Bon, très bien, tout à fait. C'est vrai que les gens n'y pensent pas toujours, mais c'est pas un pur produit de la carrière politique. Non, pas du tout. En fait, elle a plutôt, on peut plus la mettre en valeur sur sa carrière de juge et de magistrate que sur sa carrière politique. À l'inverse, très bonne transition, de Christiane Taubira, qui elle a toujours, depuis sa jeunesse, a baigné plus ou moins dans la politique. Donc, elle est née en 52 à Cayenne, en Guyane. Pareil, elle vient d'un milieu plutôt défavorisé, famille de 11 enfants, une mère qui meurt assez tôt à 49 ans, absence totale du père. Elle se distingue par ses études, elle va faire des études d'économie, sociologie, ethnologie, agroalimentaire à Paris, et elle va revenir en Guyane dans les années 70. Là, elle va devenir militante pour le mouvement autonome, qui veut l'autonomie de la Guyane. L'indépendance, même jusqu'en 80, c'était un mouvement assez violent, et c'est là qu'elle rencontre son futur mari, Roland Delannon, avec qui elle se séparera aussi un peu plus tard, mais ils auront quand même 4 enfants ensemble. Ils ont fondé le parti autonome guyanais ensemble, ça s'appelle Valvari, je sais pas si je prononce bien, c'est Valvari. Donc là, ils le fondent en 92, et en fait, elle a été députée de Guyane avec ce parti de 93 à 2012. Et puis après, elle s'est aussi présentée une fois au présidentiel, et elle a surtout été ministre de la Justice de 2012 à 2016. Très bien. Voilà. Et plutôt de gauche. Oui, parti radical de gauche, c'est ça ? Ouais. Ça, c'était quand elle s'est présentée au présidentiel, c'était avec le parti radical de gauche. Ouais. Très bien. Bon, bah merci. Écoute, on va pouvoir se lancer dans le vif du sujet. Ouais. Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels, qu'il y a autant d'amour vis-à-vis de ces enfants et que tous ces enfants sont les enfants de la France. Alors oui, monsieur le député, le gouvernement présente un texte de loi de grand progrès, de grande générosité, de fraternité et d'égalité. Et nous apportons la sécurité juridique à tous les enfants de France. Et je peux vous dire que j'en suis particulièrement fière. Dit que vous êtes misogyne. Oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. Pour moi, une femme qui se bat au judo ou dans une autre discipline, ça n'est pas quelque chose de valorisant. Ça devrait vous inciter à un peu de nuance et de modestie. On va commencer par un round un petit peu mathématique, des chiffres, des durées. Voilà, qui a eu le plus de mandats, qui a le mieux réussi dans ces élections ? C'est la question que je te pose. Donc Eva Joly, elle est députée européenne de 2009 à 2019 avec Europe Écologie Les Verts. Elle a fait donc 2 mandats et elle a une tentative aux élections présidentielles à son actif. C'était en 2012. Elle gagne la primaire face à Nicolas Hulot, la primaire des Verts, donc quand même assez important. Et elle récolte 2,31% des voix. Elle arrive sixième au premier tour des présidentielles de 2012. Et elle a comme conseiller un certain Yannick Jadot, voilà, dont on entend un peu parler en ce moment.
Au contraire, donc elle a eu que des mandats européens, elle n'a pas eu de mandat au niveau national ni au niveau régional. Au contraire de Christiane Taubira, qui a été députée de Guyane de 93 à 2012, elle n'a jamais eu de mandat local, mais que des mandats nationaux. Donc, en 94, elle appartient à la liste des européennes de Bernard Tapie et elle est élue députée européenne. Elle le restera jusqu'en 99. Elle aussi, elle a une tentative au présidentiel. C'était donc en 2002 avec le Parti radical de gauche. Et là, elle arrive, elle récolte 2,32% des voix. Donc, c'est à peu près pareil que Eva Joly 10 ans plus tard. Sauf que elle est 13e du premier tour. Et son score en Guyane, c'est plus de 50%. Je crois que dans ces élections en Guyane, elle récolte genre 52%. Donc, truc de ouf. Mais elle a une assise en Guyane qui est vraiment incroyable et qui a été qui s'est un peu amoindrie après le mariage pour tous, parce que tout le monde soutenait pas forcément cette mesure. Donc, elle a perdu un peu des électeurs, mais bon, pas beaucoup, je pense. D'accord. Elle a quand même été conseillère régionale en Guyane de 2010 à 2015. En 2007, elle a rejoint l'équipe de la présidentielle de Ségolène Royal. En 2010, elle a soutenu Arnaud Montebourg. En 2012, donc François Hollande est élu. Elle sera garde des Sceaux pendant 4 ans, de 2012 à 2016. Et en 2017, elle soutient Benoît Hamon. Donc, en termes de carrière politique, je pense que c'est quand même Christiane Taubira qui est vraiment sur le devant de la scène, enfin qui l'a toujours été. Oui. Bah c'est une pure femme politique, Christiane Taubira, ce qui est pas le cas de Eva Joly. Ouais, elle a pas beaucoup travaillé. Enfin, elle a travaillé avant, notamment en tant que chercheur professeur dans une université. Mais c'est sûr que c'est pas le fort de sa carrière, contrairement à Eva Joly, quoi. Je pense que la grande victoire politique de Eva Joly, c'est sa victoire à la primaire des Europe Écologie Les Verts face à Nicolas Hulot, qui avait été quand même quelque chose d'assez inattendu et intéressant. Ouais. Surtout face à Nicolas Hulot, qui à l'époque était peut-être pas du tout moins politique qu'aujourd'hui, mais quand même, enfin, il avait un peu cette aura que Yann Arthus-Bertrand a aujourd'hui, non? De personnages publics mais pas politiques qui portent des idées complètement. Et d'ailleurs Nicolas Hulot l'avait vraiment mal pris, il avait pas du tout digéré cette défaite à la primaire. Alors on se rappelle de dans les deux cas, la présidentielle a été assez cruelle pour l'une comme pour l'autre, sans doute. Ouais. Pour ce qui a été cruel pour Christiane Taubira, c'est que ça a été l'année où ça a été en 2002 l'année où Lionel Jospin a été éliminé au premier tour après avoir été premier ministre, le premier ministre de la croissance pendant 5 ans. Et année difficile, 2002. Et du coup, elle a fait partie des candidates, des candidats. Ah oui, dont on a accusé d'avoir fait la défaite entre guillemets de Lionel Jospin. Et bien la sûr, victoire de Jean-Marie Le Pen au premier tour. Puisque la gauche tour, était. La qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. Parce que la gauche était divisée, donc les votes ont été divisés aussi. Et Eva Joly, de son côté, ça a été vraiment une claque, ça a été vraiment une grosse claque en termes de score. Enfin, je crois qu'elle aussi, elle l'a quand même assez mal vécu. En plus, elle a été, on en parlera un peu plus tard sans doute, mais elle a subi beaucoup de critiques et de moqueries. Il y avait tout ce truc avec ses lunettes qui était peut-être une idée. qui était une idée de com', peut-être. Ses lunettes vertes. Un peu risquées. Parce qu'elle a eu les rouges et les vertes qui étaient la même monture, mais deux couleurs différentes. Moi-même, je dois avouer que j'étais assez jeune à l'époque. Et j'ai quand même souvenir de clips de campagne qui la mettaient pas forcément en valeur, quoi. Ouais. Donc, entre ça et son image un peu austère avec son accent. On en reparlera aussi, mais elle a pris cher sur son accent vraiment. Bon, mais elle a quand même fait des beaux résultats aux élections européennes. Donc c'est quand même ce qu'on peut mettre à son crédit, mais bon, malgré tout, le point ne peut pas aller à Eva Joly, il va forcément à Christiane Taubira là-dessus. Madame Joly, est-ce que vous accusez le président Sarkozy de tout faire pour diminuer le nombre d'enquêtes sur les affaires financières dans ce pays, en France ? Oui. Oui. Bon. Je dois vous dire que je suis très choqué que Eva Joly utilise pour parler de notre majorité du terme d'ennemi
hein, qui est un terme d'une très grande violence dans cette période où, au-delà de nos différences, on doit être capable d'en appeler au Rassemblement national. Je trouve ce terme profondément blessant, injurieux. Écoutez, en tout cas, ce n'est pas notre vocabulaire. Traiter notre adversaire de pilote de pédalo et de marionnette de bois... Allez, 1-0 pour Christiane Taubira. Le premier sang est versé. On passe maintenant au deuxième point qu'on avait surnommé « Qui est le plus emmerdé la droite ?» Mais que nous avons poliment renommé en l'effet d'armes, les grandes actions, les faits marquants. Vas-y, je te laisse démarrer. C'est ouais, leur fait d'armes et puis aussi là où elles ont été le plus critiquées, là où on leur a mis le plus de bâtons dans les roues. Parce que c'est effectivement une des raisons pour les rapprocher, c'est beaucoup ça, c'est le fait que c'est deux personnalités assez clivantes. Et ouais, qui ont été beaucoup critiquées avec des insultes assez dures quand même. Moi, je vais commencer par Christiane Taubira. Christiane Taubira, donc, elle a quand même donné son nom, elle a porté deux lois, donc je vous dis quand même la première... Juste pour information, la première loi qu'elle a portée, c'est la loi qui tend à la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et la deuxième loi, c'est bien sûr, vous l'avez deviné, le mariage pour tous, qu'elle a carrément incarné du début de l'ouverture des débats à l'Assemblée nationale, même avant, quand on commençait à en parler dans les médias. En fait, elle a pas mal pris le pas sur la ministre de la Famille en la laissant pas vraiment s'exprimer dès le début. Et ce, jusqu'à la fin, jusqu'au vote. Donc, les débats ont été ouverts à l'Assemblée nationale le 29 janvier 2013 et la loi a été votée définitivement le 23 avril 2013, donc c'était pendant qu'elle était garde des Sceaux. Et évidemment, tout le monde se rappelle une opposition extrêmement dure, avec beaucoup d'opposants dans la rue, notamment la Manif pour tous. Donc j'ai quelques chiffres là-dessus. T'as des stats sur le nombre d'insultes qui ont été données J'ai quelques insultes que je pourrais vous citer. Le nombre de notre père qui ont été récités pour empêcher la loi. Mais j'ai des stats sur le nombre de personnes dans la rue. Après, est-ce qu'on peut dire une personne égale une insulte? Non, je sais pas. Peut-être égale pas. À notre père. La première marche, c'était le 13 janvier 2013, donc avant même qu'on ouvre à l'Assemblée nationale les débats de la loi. Et là, il y avait quand même 340 000 personnes selon les forces de l'ordre, 800 000 personnes à Paris selon les organisateurs. Donc c'est pas mal. Après, ils ont remis ça deux semaines après, le 27 janvier. Là, ils étaient 125 000 selon les forces de l'ordre, 400 000 selon les organisateurs. Et ça a quand même pas mal tenu. Le 24 mars, il y a eu encore un nouveau rassemblement. La marge, elle est de 300 000 à 1,4 million de personnes dans la rue. C'était le rassemblement le plus important sur un sujet de société depuis 1984. Rassemblement le plus important de la droite. Oui, de la droite, il faut le préciser. Oui, oui. Il y a eu 98 arrestations quand même. Donc ouais. 84, c'était la loi Savary. Et, c'était, non, c'est la première fois où je parle de Michel Sardou dans ce podcast. Yes. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en 84, il y avait donc déjà le peuple de droite dans la rue contre la loi de réforme de l'école privée qui a été abandonnée. Et donc Michel Sardou faisait partie des gens qui avaient manifesté. Et il y avait cette chanson « Les deux écoles » sur le sujet. Et en 2012-13, il y avait dans les... Pour le coup, c'était le contraire. Dans les manifs... Pro mariage pour tous, il y avait des gens qui avaient une banderole, même Sardou est pour. Trop drôle. Voilà, c'était le petit tout point Sardou. Tout se rejoint, c'est incroyable. Il y a eu encore une grosse manif le 21 avril, et puis ça c'est le 5 mai aussi. Et puis entre autres, Claude Bartolone, qui était alors président de l'Assemblée nationale, a quand même reçu une lettre de menace de mort avec de la poudre dans l'enveloppe. Ça c'était le 22 avril, donc il y a eu quand même des opposants qui étaient vraiment, vraiment pas du tout d'accord. Et c'est elle qui a vraiment porté cette loi du début à la fin, donc c'est elle qui s'est pris toutes les insultes, tant des médias que... des médias qui étaient opposés, que de la foule, que des députés de l'opposition aussi à ce moment-là, qui ont été, moi je trouve, assez violents quand même dans leurs propos. Notamment Philippe Cochet, qui était un député UMP, qui a dit en avril « Vous êtes en train d'assassiner nos enfants ».
Bon. Et il dit vraiment vous en la désignant elle, donc vous, ça prouve bien que c'est ça. Vous, Christiane, vous assassinez nos enfants. Non, mais elle a vraiment personnifié la loi, quoi. Elle a été attaquée par David Douillet aussi, qui a dit que on saccageait la vie d'enfant à des fins électoralistes. Quoi? Le lion de Massinger, oui, a fait ça? Mais je tombe de ma chaise. Et oui, il est à droite. Surprise. Spoiler. Et elle a bien répondu, surtout que lui, il avait tenu des propos qui étaient vraiment misogynes. Il avait sorti une autobiographie avec des propos très misogynes à ce moment-là. Mmh. Et elle lui avait répondu « Oui, je suis misogyne, mais tous les hommes le sont, sauf les tapettes. » Non, ça, c'est ce qu'il a écrit. Oui. Ouais, oui, ça, oui, c'est oui. ce qu'il a écrit. Et elle lui a répondu, elle a cité cette phrase et elle a dit « Ça devrait peut-être vous inciter à plus de modestie et de nuance. » Voilà, donc un peu chaud. Elle était donc ministre de la Justice, comme je vous le disais, et elle est montée à la tribune avant la ministre de la Famille, qui était Dominique Bertinotti. J'ai donc retrouvé son nom. Dans les insultes marquantes, il y avait eu la petite fille qui l'avait traitée de guenon pendant la rassemblement de la Manif pour tous. Ouais. C'était assez choquant. Il y a aussi Anne-Sophie Leclerc, élue FN en décembre 2013. Elle a partagé une photo sur son mur Facebook. Ah oui. Qui compare Christiane Taubira à un singe. Elle a été condamnée pour ça. Il y a Minute, hebdomadaire d'extrême droite, qui a fait une une aussi, maligne comme un singe, Taubira garde la banane. Donc pareil, le directeur de la publi a été condamné à 10 000 euros d'amende. Quel enfer. Et elle n'a pas été attaquée que là-dessus. En fait, elle est donc à ce moment-là, vous l'avez bien compris, elle a été garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et là aussi, la droite, ils s'en sont donnés à cœur joie pour critiquer à peu près tout ce qu'elle a fait. Elle était vraiment sur le devant de la scène, du coup, sur ces deux points, et la défense du mariage pour tous et son poste de ministre de la Justice. Elle a été taxée de laxiste pendant grosso modo tout son mandat. Et puis, il y a eu, en fait... Malheureusement pour elle, il y a eu pas mal d'évasions au même moment. Donc ouais. Ça, c'est juste des exemples des trucs qu'on lui a mis sur le dos en tant que ministre de la Justice. Christian Estrosi notamment et Marine Le Pen qui ont dit qu'elle avait transformé les prisons en passoires. Mais oui, pardon. Et ça aussi, tout le monde a dit qu'elle était laxiste et qu'elle était complètement dépassée par son rôle de ministre de la Justice, en fait. Donc elle a pas mal pris cher aussi sur ce côté-là de sa mission. Et alors, est-ce que tu veux parler d'Eva Joly maintenant, du coup? Allez. Donc Eva Joly, là où elle a le plus emmerdé la droite, entre guillemets, en tout cas là où elle s'est le plus battue probablement dans sa vie. Qui a écrit ça, bon. C'est avec l'affaire Elf. Ouais. Donc Elf, ancienne grande entreprise pétrolière française. Eva Joly est au... Je vais essayer de raconter un peu l'histoire sans que ce soit trop compliqué. C'est compliqué et je te félicite d'accepter le défi de parler de l'affaire Elf. C'est très difficile. Donc Eva Joly, alors juge au pôle financier de Paris, récupère l'affaire Elf au milieu des années 90. En fait, en juillet 94, la commission des opérations de bourse remet au parquet de Paris un rapport qui suit les investissements d'Elf dans une entreprise de textile qui s'appelle Biedermann. Et ça attire leur attention, ils trouvent ça bizarre parce que investir dans une telle entreprise quand on est Elf, ça n'a absolument aucun sens. Parce que Biedermann, c'est trop petit, qu'en plus l'entreprise va pas très bien, si je me trompe pas, donc ils auraient jamais pu faire de bénéfices. Donc pourquoi est-ce qu'ils investissent là-dedans? Ça mène le 18 août à une ouverture d'enquête contre X pour abus de biens sociaux, et là c'est un petit fil que Eva Joly a tiré pendant moins de 10 ans, mais jusqu'en 2001 au moins. Et en fait, l'affaire Elf, en gros, donc il y a cette première affaire Elf, ELF Biedermann. Elle a découvert une autre affaire qui mêle toujours cette entreprise Elf et puis les intermédiaires, etc. C'est l'affaire des frégates militaires à Taïwan, peut-être un peu plus connue du grand public. En mars 96, on ouvre une nouvelle information judiciaire, c'est tentative d'escroquerie. En fait, Elf a mandaté des intermédiaires chinois pour faciliter la vente de frégates militaires à Taïwan. Il y a eu pas mal de politiques impliquées dans les années 90.
Et enfin, il y a deux autres affaires qu'elle a découvertes, celle de la raffinerie Lena. Là, c'est Elf qui, en 92, a versé 44 millions de francs à une société qui est possédée par quelqu'un qui s'appelle André Guelfi, qui avait été déjà impliqué, mouillé dans l'affaire des frégates et dans l'affaire Biedermann, un espèce d'intermédiaire, rapporteur d'affaires. Un mec qui transporte des valises pleines de billets, probablement. Et donc lui, il avait été mandaté par Elf pour faciliter des contrats avec l'Allemagne pour racheter une construction à Lena, construire une raffinerie à Lena et racheter un groupe pétrolier. Et ça, cette enquête, donc c'est une nouvelle enquête ouverte par Eva Joly qui suit déjà les deux autres. Ça a été suivi par la Commission européenne aussi. Et puis alors la dernière affaire, c'est celle des avantages qui ont été accordés à Roland Dumas. Des avantages, notamment un appart rue de Lille dans Paris. Roland Dumas étant un proche de Mitterrand. Un autre ami des femmes, quelqu'un qui a des discours très progressistes en général, Roland Dumas. Bref. Donc tout ça, alors c'est très compliqué si ça vous intéresse, l'affaire Elf et le rôle d'Eva Joly. En 2006, Claude Chabrol a tourné un film qui s'appelle L'ivresse du pouvoir et elle a dit elle-même que c'était un très bon film et que ça expliquait bien ce qui s'était passé. Donc pour plus de détails sur le côté judiciaire de l'histoire, je vous engage à regarder ce film. Elle a aussi jugé l'affaire Tapie, si je me trompe pas. Et ça a duré jusqu'en 2001 quand même, et elle a été vachement empêchée dans cette affaire. C'est-à-dire que il y a des pièces à conviction qui ont été volées à la fin des années 90. Elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux qui n'ont pas été relayés, notamment par la Suisse, contre un intermédiaire. Je voulais pas dire son nom parce que j'ai trop peur de me tromper. Mais elle a tenu bon. Au final, aujourd'hui, l'entreprise Elf n'existe plus. Et en 2001, l'année des procès, de certains procès, en tout cas, l'année où le procès de Roland Dumas, par exemple, et l'année où elle a décidé de quitter un peu cette affaire, elle a reçu le prix de l'intégrité décerné par Transparency International pour tout son travail. Ouais. C'est vrai que maintenant, elle a refermé la parenthèse politique à 76 ans pour retourner vers un travail autour de la transparence et la lutte contre la corruption. C'est le combat de son travail d'avocat. C'est le combat de sa vie. Après cette époque, elle est retournée en Norvège elle est retournée en Norvège après l'affaire Elf et elle a repris ce qu'elle faisait déjà en France, la lutte contre la corruption et les délits financiers. Elle a été notamment conseillère spéciale sur ce sujet du gouvernement norvégien de 2002 à 2004-2005. Elle a aussi conseillé le président malgache de 2004 à 2006 pour le compte de l'Agence norvégienne de développement et de coopération. Après, elle a un peu fait ça un peu en électron libre. Je crois qu'elle a monté sa propre structure en Norvège. Ouais. Et puis en 2009, elle a été appelée par le gouvernement islandais pour enquêter sur la criminalité financière du pays. Elle a rendu un rapport en 2010. Et après, elle est revenue en France, notamment pour préparer sa candidature au présidentiel. Et Björk, qui est islandaise, a dit que son travail avait été un avancement notable et indispensable pour son pays. Il y a un truc qui est super intéressant dans cette histoire, et c'est difficile à résumer comme ça, mais c'est vrai que c'est les pressions qu'elle a subies dans cette affaire. T'en as parlé, les mandats qui n'ont pas été relayés. C'est aussi pour ça qu'elle est rentrée en Norvège en 2001, parce qu'elle ne se sentait plus en sécurité. En France, trop de menaces. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse un peu à son parcours, c'est comment elle explique que quand elle était, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, elle est arrivée en France comme jeune fille au pair, elle a gravi les échelons après au sein de la magistrature pour être juge d'instruction en reprenant des études.
Et à ce moment-là, elle était extrêmement... elle raconte, je l'avais lu dans un de ses livres, à quel point elle se sentait écrasée par le poids de l'élite, en fait. Ouais. À quel point le fait d'avoir affaire à des gens de l'élite l'écrasait, quoi. Dès son union, parce qu'elle s'est mariée assez jeune avec son mari, du coup, Pascal Joly, le fameux étudiant en médecine, fils de la famille dont elle travaillait. En fait, ses beaux-parents, ils étaient complètement contre cette union. Donc, genre, même pour sa vie personnelle, elle s'est toujours battue dans sa vie. Après, ça a été un peu... Justement, le fait qu'elle ait réussi à gravir les échelons et à rentrer un peu dans l'élite de la société française. Quand elle est revenue en Norvège, ça lui a été pas mal, elle a été pas mal critiquée là-dessus. On l'a trouvée arrogante. Donc, même, en fait, partout où elle allait, elle a été critiquée. C'est souvent le problème des personnes qui ont deux nationalités, en fait, c'est qu'on leur reproche de pas être, pas assez elle en l'occurrence, on leur reprochait d'être ni assez française ni assez norvégienne, quoi. Mais et du coup, elle fait le lien avec son travail dans l'affaire Elf, notamment dans ses rapports avec Loïc Le Floch-Prigent, le président de Elf à ce moment-là, condamné. Ouais. Et elle racontait que justement pour elle, ça a été une sorte de revanche un peu sur la vie de. Et c'était, elle se sentait obligée d'être extrêmement tenace dans cette affaire parce que c'était un combat contre des élites qu'il avait méprisées quand elle était jeune, quoi. D'ailleurs, si vous voulez avoir la version de Loïc Le Floch-Prigent, il est invité de Fabrice Drouel dans la première partie d'Affaires Sensibles. Ils ont consacré deux épisodes à cette affaire et c'est l'invité donc du premier épisode qui retrace toute la première partie. Ah bon ? J'étais très étonnée. Je me dis en préparant le podcast. C'est plutôt curieux quand même. Ah bah dis donc. Je me dis je vais écouter Affaires Sensibles pour essayer de comprendre un peu mieux cette affaire et puis là j'entends et notre invité sera Loïc Le Floch-Prigent. J'étais là ah bon ? Mais c'est un petit peu orienté quand même. C'est très bizarre de faire ça. Bon. Il me semble que dans l'épisode 2, ils ont invité quelqu'un, du coup. Ouais. Bon. On va pas critiquer le travail de Fabrice Drouel. Hein, non, parce que on n'oserait pas. Gros fan club, mais quand même. Ok. Oui, d'ailleurs, Pascal Joly qui s'est suicidé pendant l'instruction de l'affaire Elf. En 2001, donc, c'est après, ils étaient plus ensemble, déjà, mais c'est aussi 2001, année compliquée pour Eva Joly et qui d'ailleurs a amené son retour en Norvège. Tu disais qu'elle n'était pas assez norvégienne et pas assez française. Ça fait une bonne transition avec les attaques racistes qu'elle aussi, elle a subies. Ouais. Notamment en 2011 et 2012 avant la campagne présidentielle, pendant la campagne présidentielle. Oui. Donc en décembre 2011, notamment une chronique dans Le Point qui a été jugée xénophobe et raciste par Eva Joly, elle-même, par la gauche, par SOS Racisme, enfin par plein de gens, et où on se moque de son accent. En fait, c'est surtout à son accent qu'elle est moquée et qu'on la critique. En 2013, Gérald Darmanin, l'humoriste, a écrit une vanne sur Jean-Vincent Placé, qui était au gouvernement aussi sous Hollande. The infamous Jean-Vincent Placé. Il a écrit « On dirait Eva Joly qui reviendrait de Fukushima ». Ah. Et bien en 2011 aussi, ça c'est juste pour vous donner quelques exemples, François Berléand, que malgré tout j'aime beaucoup, a dit le 24 décembre 2011, en gros il a aussi critiqué son accent, il a dit « je comprends pas qu'elle parle pas le français sans accent, de toute façon quand on a envie de s'intégrer on s'intègre », ce genre de phrase. Donc en fait le fait qu'elle ait un accent et qu'elle soit arrivée aussi haut, qu'elle est puisse imaginer l'idée de se présenter à une présidentielle avec un accent aussi fort, ça a eu l'air de déranger tout le monde, quoi. Donc elle a été toujours le racisme qu'elle a subi, ça s'est toujours vachement concentré là-dessus. Est-ce que tu arrives à les départager du coup dans ce round ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai envie de donner le point à Christiane Taubira parce que quand même le mariage pour tous avance énorme. C'est sûr qu'on en parlera dans les livres d'histoire. En même temps, combat contre la corruption,
Puis elle a réussi à tuer Elf, qui avait quand même monté un système implacable de corruption de pots de vin pour arriver à leur fin. C'est pas mal aussi. Donc je sais pas. Tu veux donner le point à qui ? Écoute, de manière très artificielle et pour rien vous cacher, comme il y a trois rounds, on va donner le deuxième point à Eva Jolie. Comme ça, ça fait égalité. Pour faire égalité et pour ménager le suspense au tour suivant. Mais c'est vrai que la question de base était qui a le plus emmerdé la droite ou les élites. Et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque là, Christiane Taubira avait réussi à mettre plusieurs centaines de milliers de gens de droite dans les rues. Donc, mais en même temps, les élites financières, je pense, ont été plus embêtées par, par Eva Jolie. En fait, en nombre de personnes, c'est Taubira qui gagne. En nombre d'argent, c'est Eva Jolie. Donc, allez, on donne le point à Eva Jolie. Donc ça fait un partout. Allez, on écoute la réponse. Merci. Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Troisième round et dernier round, on va se détendre un peu. Et on va se poser la question de qui a eu les meilleurs punchlines, parce que c'est deux sacrées punchlineuses. Ouais, toujours le bon choix des mots, le bon mot tout simplement, au bon moment. J'en ai quelques-unes, je sais pas si il faut toutes les dire. Vas-y, fais-toi plaisir. Ça c'est bien ça. Je vous conseille la vidéo aussi dispo sur YouTube, c'est pendant les débats pour le mariage pour tous. Christiane Taubira dit à Éric Ciotti, elle lui répond après qu'il l'ait attaqué au sein de l'Assemblée, et elle lui dit « Vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède. » Elle lui dit ça, et après elle déballe évidemment des tas d'arguments sur la question qui lui était posée, et tout l'hémicycle a rigolé, et même lui je crois qu'il était un peu gêné, il savait pas trop quoi faire quoi. Donc celle-là je l'aime bien, j'aime bien celle-là. Elle est bien. Bon, du coup, on va alterner. Une d'Eva Jolie, elle a reçu le prix de l'humour en politique. Ah oui, c'est vrai. En 2010, pour cette phrase. Je connais bien Dominique Strauss-Kahn, je l'ai mis en examen. Alors, une autre de Christiane Taubira. Ça, c'est bien. Elle répond à David Rachline, qui est un élu Front National. Elle lui dit « Ne venez pas me parler de laxisme. Le laxisme, monsieur le sénateur, c'est de s'accommoder d'un leader qui combine à la fois les condamnations multiples et les responsabilités politiques. » Voilà, pas mal aussi. Oui, elle est invitée par l'association Dauphine Débat, donc de l'Université Paris-Dauphine. Et on lui montre des photos de politique et on lui dit « Voilà, donnez un mot pour... qui vous vient à l'esprit quand vous voyez cette personnalité, vient à la photo de Marine Le Pen, évidemment. Et là, en fait, elle chip et elle dit, elle répond juste ça. Elle dit, il y a quelque chose qu'on fait dans les sociétés créoles, c'est un langage très féminin, c'est le chip, et c'est vraiment un concentré de dédain. Et elle répond rien d'autre. Donc, comme ça, c'est dit. Après ça c'est pour le côté un peu rigolo, je vais voir si j'en ai d'autres d'Eva Jolie. En 2010 elle s'oppose à la politique de Nicolas Sarkozy qui est donc à l'Élysée, et elle dit ce que veut Nicolas Sarkozy c'est le gros rouge qui tâche, comme il l'a dit lors du débat sur l'identité nationale. J'aime bien l'expression le gros rouge qui tâche, j'aime beaucoup. Dans son dernier livre qui s'appelle Le loup dans la bergerie, Eva Jolie elle parle de l'Europe et elle attaque Jean-Claude Juncker qui est président de la Commission européenne.
Et elle lui dit, l'accession au pouvoir de Jean-Claude Juncker est pourtant la preuve qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de l'Europe. Après, Christiane Taubira, elle a dit des très belles phrases qui sont pas vraiment des punchlines, mais qui sont vraiment assez fortes. Elle dit par exemple, je crois que ça c'est une réponse à Hervé Mariton, qui est de droite. Elle dit « La différence n'est pas un prétexte pour l'inégalité des droits. » Elle a été inspirée par Léon Gontran Damas, qui est son poète préféré et qu'elle cite assez régulièrement. Voilà, elle dit « Nous parlons d'hypocrisie pour ceux qui refusent de voir ces familles homoparentales. Nous parlons d'égoïsme pour ceux qui s'imaginent qu'une institution de la République pourrait être réservée à une catégorie de citoyens. » Bon, bah écoute... quand même assez inspirant, tout ça. Écoute, je pense que on va donner le point à Christiane Taubira, parce que... Une petite dernière pour finir, allez, vas-y. Qu'elle a le point. Elle dit, là elle répond à ceux qui... Un peu une réponse aux attaques racistes, elle répond « J'ai beau être une sorcière d'Amazonie, il y a tout de même des limites à mon pouvoir. » Ça c'est drôle. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, on donne le point à Christiane Taubira, peut-être pour le côté... Femme de lettres. Ouais, mais... bon, après c'est très artificiel tout ça. C'est pour s'amuser, c'était surtout pour le plaisir de sortir quelques citations qu'elles ont eues l'une ou l'autre. Puis pour le plaisir de découvrir un peu leur parcours et de partager un peu... Ces parcours de vie assez inspirants, je trouve. Donc Christiane Taubira gagne ce combat, même si pour moi, dans mon cœur, elles l'ont gagné toutes les deux. Ça ne veut pas dire que je suis fan des deux d'ailleurs, hein, mais je trouve qu'elles ont toutes les deux quelque chose à nous apprendre et dont on peut s'inspirer. Oui, quoi. C'est même au-delà des idées politiques de chacun, elles ont toutes les deux des leçons au moins de courage à donner et de fidélité à leurs idées, quelles qu'elles soient. Tout à fait. Du coup, si vous êtes très podcast, et c'est pas impossible, si vous écoutez ce podcast, que vous en écoutiez d'autres, je vous conseille d'écouter l'interview d'Eva Joly dans Vieille Branche par Marie Misset chez Nouvelles Écoutes, et l'interview de Christiane Taubira dans Femme Puissante par Léa Salamé sur France Inter. Les deux sont dispo en podcast et c'est intéressant dans tous les cas. Bah merci beaucoup Aurélie. Bah merci à toi, c'était chouette. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur Twitter, toujours le même, @AuréliePSQR. Et puis si vous prenez l'autoroute à des heures variables, vous pouvez me retrouver sur sa 977, la radio qui vous informe et qui prend soin de vous sur la route. Très bien. Bah merci, c'est qui plus fort, un podcast réalisé et animé par Martin Gamara, moi-même. Produit par Micro Stockholm. Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux, nous écouter sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, enfin tout ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux sociaux, si vous avez aimé ou pas aimé, à mettre des petites étoiles sur Apple, ça aide beaucoup au référencement. Et enfin, si vous voulez nous aider à assurer un rythme hebdomadaire pour l'émission, vous pouvez participer au Tipeee. Qui nous permet d'avoir quelques moyens pour tenir le rythme. Et ben, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. À bientôt.